Ah!
C'est un défi ? En cas d'échec, il ne restera rien de toi. Souviens-t'en. Ah!
La vue de la grande halle laissa Phénix sans voix. Oh, c'est incroyable. Tout va bien, même s'il faudrait redécorer. Le motif des colonnes est un petit peu daté. Alors, on est en sécurité ici. Tu te souviens, j'ai volé quelque chose à Typhon. Un petit morceau de son œil afin de cacher cet endroit à son redoutable regard. Je t'en prie. Tu as dit que c'était la halle des dieux. Alors ? Où sont les autres ? Laisse-moi commencer par le commencement. La main posée sur l'épaule de Phénix, Hermès lui conta l'histoire de Typhon, le destructeur des dieux. Typhon, né de Gaïa, était une bête cruelle et terrible. Il s'était juré de libérer les titans et d'éliminer les dieux. Il défia Zeus, l'enjeu étant le règne sur le cosmos. Par chance, Typhon fut vaincu. Ah ben ça, je veux, ouais. Et il fut enfermé sous une montagne, où il ne pouvait plus nuire à quiconque. Il faut que je retrouve la forme que j'avais à l'époque.
Durant des millénaires, Typhon ne cessa de ruminer. Jusqu'à ce qu'Hélios soit éclipsé et que des étoiles incandescentes tombent des cieux. Ces étoiles firent fondre les chaînes de Typhon. Et, dans une explosion de feu et de fumée, il surgit dessous la montagne. Les dieux l'avaient humilié et supplicié. « Plus jamais !» jura-t-il. « Ce monde sera purifié, et les dieux seront châtiés !» Dès lors, Typhon chercha à se venger. « Détruisez le voile qui sépare cette terre sacrée des enfers, que les dieux aient à connaître le Tartare. Piétinez, dévorez et réduisez en poussière ces faux dieux. Approchez Olympia, prenez vos armes et venez m'affronter. Vous avez sous-estimé ma puissance et vous vous êtes vautré dans l'orgueil. Succomber à mon infinie perfection. Certains dieux prirent la fuite. D'autres restèrent pour combattre. Beaucoup furent capturés. Typhon les disloqua, les priva de leur précieuse essence et les transforma irrévocablement. C'est alors que, désespérant de pouvoir sauver leur domaine, les dieux firent appel aux héros d'antan. Les derniers guerriers à posséder du sang divin. Faible et égoïste, vos héros ne seront plus que les ombres d'eux-mêmes. Ils me serviront à jamais. Les dieux avaient échoué, les héros aussi. Mais alors que tout espoir semblait perdu, oui, il y eut beaucoup de combats et de défaites. Et tu es notre dernier espoir de rendre à ces terres leur gloire passée et à sauver le monde du chaos. Nous n'avons plus que toi, Phénix, mais aucune pression. Je ne sais plus trop qui est qui. Celui avec les cheveux en pointe, c'est Typhon ou c'est toi ? Peu importe, il faut rendre aux dieux vaincus leur essence afin qu'ils recouvrent leur pouvoir. Ensuite, ensemble, vous devrez vaincre Typhon. Franchement, ça fait beaucoup. Si au moins mon frère était là. Écoute, petite, je ne suis pas parfait. Par Zeus, c'est moi qui ai accompagné Pandore sur Terre. Mais peut-être, je dis bien peut-être, es-tu l'héroïne qu'il nous faut. Et puis, comme tous les autres ont été vaincus, nous n'avons vraiment plus que toi. Bonne chance! Moi, je vais rester ici à ne rien faire. Enfin, à préparer les préparatifs. Merci, si j'ose dire. Oh, tu fais encore cette tête. D'accord. Le mieux, pour commencer, et de rejoindre le sommet des autres statues de l'île d'Or afin de chercher la trace des dieux disparus. Trouve-les, et ils pourront probablement te dire où est leur essence. Quoique, ils ne sont plus vraiment eux-mêmes, alors je n'en suis pas si sûr. Qu'est-ce que tu veux dire ? À toi de le découvrir ! Réfléchis, Phénix. Que ferait ton frère ? L'Hygiron s'attaquerait probablement tout seul à Typhon, comme la fois où il a vaincu la flotte spartiate. Oh, bon sang. Dans quoi je me suis fourré, moi ?